grosse poitrine. Oh! Le méchant! Oh! Rip. À l'attaque! Salut tout le monde, c'est Radbox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un petit jeu. Sur... enfin un petit jeu, je dis un petit jeu. Mais... sur un jeu, sur un petit jeu que j'ai un petit jeu parce qu'il coûte pas cher, il est pas très long. Donc sur, j'ai déjà oublié le nom, putain. Bon, il va arriver, bref. Avec cette superbe intro là. On va regarder quand même l'intro en entier, hein, je vais pas vous la sauter. Voilà, sur Phantom Breakers Battleground. Oh là là, cette musique aussi. Juste magnifique. Bref, c'est sur un petit jeu que j'ai acheté en promo. Je sais pas trop, il est pas très cher le jeu. Donc c'est... ouais, il est pas très cher, il coûte peut-être 7€ ou 10€. Peut-être moins. Mais je crois que je l'avais acheté à 2€. Bref, il est pas très cher. C'est un petit jeu aux allures rétro. Alors attendez. LP option, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Contrôle. Alors... ok, bon, les contrôles, on s'en fout. Je joue à la manette pour info, hein, c'est plus simple, je pense. Ok. Retour. Retourne, c'est ça, ouais. Ok. Donc, settings. Ok, display mode. Langage franché. Ok, bon, on est bien, là, je pense. Ouais. Je regarde les settings, parce que je viens de l'installer, de le réinstaller. J'ai déjà joué, j'ai passé... un petit peu de temps quand même. Donc on y va en local game. Donc on y va, on va lancer une petite partie solo. Il y a une petite histoire, elle est pas très importante. Vous avez story mode, arcade mode, coop mode et battleground mode. Pour l'instant j'ai testé que le story mode. Donc dans un premier temps, il va falloir choisir un personnage. Voilà. Alors, vous avez vu que j'ai joué avec un personnage avec elle. Je l'ai monté niveau 40. On va en monter un nouveau, hein, avec vous. Vous avez plusieurs styles de personnages. On va prendre... ah, on a débloqué des nouveaux. Elle, je l'avais pas, je crois. Bah, on va prendre elle avec ses couteaux, là. Ça me fait bien stylé. On peut choisir la couleur du personnage. Alors... lui, il a l'air bien stylé. On est parti. Donc, vous avez les niveaux de difficulté que vous débloquez. Moi, j'ai terminé le jeu en normal. J'ai déjà terminé une fois, mais on va se lancer en hard. J'ai déjà terminé en normal le jeu. Et maintenant, j'ai débloqué le hard. Une fois, je pense que j'aurai terminé le hard, bah, je débloquerai le nightmare. Et une fois que j'aurai débloqué le nightmare, bah, c'est les difficultés, quoi. On va y aller en hard, on va voir ce que ça donne. J'espère pas mourir. Attendez. Ah oui, le hard commence directement ici. On commence pas au même endroit. Ok. Bon, le hard, je sais pas... je sais pas si je peux y aller avec le personnage niveau 1. Bon, on va essayer avec le personnage niveau 1. Ou pas. Non, on va pas y aller avec le personnage niveau 1. Comment on retourne? Non. On peut pas retourner. Ah si, retourne. Return. Ah non, on peut pas retourner. On est bloqué là en fait. Ok. Non, attendez, casse-toi. Du coup, bah, on va y aller en hard. Je vais relancer une game, je pense. Ah, ok, on commence directement là. Ok. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, exit game. Ok. Donc, on va relancer une partie. Parce que bah, je vais vous montrer le début du jeu. Ça, c'est pas le début du jeu, en fait. Du coup, on va y aller en story mode. Écoute, on va y aller avec le niveau 40 avec Mikoto. Je pense que ça va être plus simple pour vous expliquer le jeu. Et on va aller en normal parce qu'on commence au début du jeu en fait. Et ça, c'est pas le début du jeu, vous allez rien comprendre. Donc il y a une petite histoire, mais bon, c'est Tokyo, capitale du Japon. Un homme mystérieux nommé Phantom manœuvrait, excusez-moi, dans l'ombre, j'ai cru que c'était son nom.
son nom en fait. Afin de retrouver ses immenses pouvoirs autrefois scellés, il rassembla des jeunes sans. Des jeunes gens au pouvoir exceptionnel et le revêtit d'armes dénommées FU, Mansion Artifical. Pour les convier au tournoi, ok. Moi je vous laisse lire. Lors des violents affrontements, le FA entraînerait une distorsion dans l'espace-temps et une faille interdimensionnelle reliant notre monde à un autre monde. Oh là là, on est bien là. Cette brèche finit par briser le sceau qui retenait c'est les pouvoirs de fantôme enfermé. À l'aide à Waka Kumon, descendant d'une familière. Ok. On peut passer et fuir en appuyant sur. Dans sa fuite, il emporta Nagi, la sœur de Waka Kumon. Accompagné. Détaché de l'emprise de fantôme. Voilà. Donc on est parti. Alors bon, l'histoire, je vous ai dit. Ah, Mikoto! Par où a-t-elle bien pu aller s'enfuir plutôt. Oh! Ok, donc là, les menaces. Et on est parti. Faut que je me remette dans le bain. Ok. Donc, c'est un jeu. C'est un beat'em all à l'ancienne, hein. Alors là, vous voyez que je peux aller. Alors, donc un beat'em all en 2D, hein. Mais vous voyez qu'en fait, il y a deux couches. Vous avez la couche arrière et la couche arrière. Donc, le combat se passe sur deux fronts, le combat. Vous voyez que l'ennemi derrière ne peut pas toucher. Donc, sympa comme système. Alors, on peut courir. Hop. Voilà. Alors, vous avez trois attaques différentes. Je vais vous montrer vite fait. Bon, il n'y a pas de temps, je peux prendre tout mon temps. Voilà. Donc, vous avez trois attaques différentes. Vous avez X. Alors, je joue avec une manette de Xbox, hein, pour info. Et je suis sur PC, hein. Voilà. Bon, vous l'avez sûrement deviné si vous voyez les FPS en haut à droite qui s'affichent. J'ai oublié de les retirer pour la vidéo. Mais bon, tant pis. Alors, vite fait. On va finir lui. Voilà. Attends, j'ai l'impression ici qu'on est à. Attends, bon, bref. Vous avez trois différentes attaques. Vous avez l'attaque pas forte, mais que vous pouvez lancer avec une grande cadence. Voilà, vous pouvez la lancer vite. Vous avez la super attaque. Et vous avez la méga attaque. Non, ça c'est la super attaque. Enfin, l'attaque moyenne avec B. Et vous avez A, la super attaque. Que par contre, si vous restez appuyé, vous lancez votre attaque spéciale. Vous voyez en haut, vous avez en haut à gauche, vous avez votre personnage avec les points de vie et juste en bas, vous avez une sorte de mana. Bon, là, je viens de l'utiliser en attaque spéciale en restant appuyé sur B. Bref, voilà. Vous avez trois attaques différentes. Voilà. Et avec Y, je crois que c'est la même attaque que X, la petite attaque. Bref, vous avez pas beaucoup d'attaques, hein, mais le système est sympa. Alors, vous avez les poubelles, ça vous rapporte de la vie. Pour gagner de la mana, il vous suffit de taper sur les mobs. Donc, un beat'em all, c'est bien sympathique, j'aime beaucoup. Surtout que j'ai bien aimé les graphismes du jeu. Je les ai trouvés vraiment sympas. Hein. Le jeu, il est sans prétention, c'est un petit jeu sympathique. Pas très cher, pas très long. Hein. J'ai fini le jeu en 2 heures. Et j'avais acheté le jeu à 2 euros. 2 euros pour 2 heures de jeu, et alors que le jeu est vraiment sympa, je trouve que c'est vraiment cool. Alors, il me semble qu'ici on est à. Je vais pas dire de bêtises, mais on est à Okinawa. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'Okinawa c'est un quartier japonais où ils vendent pas mal de mangas, des jeux vidéo. Bon, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que je confonds avec un autre. En tout cas, au Japon, vous avez un quartier où ils vendent que ça. Je me rappelle plus du nom. Si c'est pas Okinawa, c'est un autre. Désolé. Mais je sais qu'il y en a un quartier. Mais je sais plus si c'est celui-là ou non. Alors vous avez une autre attaque spéciale
que vous lancez avec c'est RB je crois. Voilà. Voilà. Et ça vous rapporte plein de pièces. Alors comme bon jeu de plateforme, même si c'est pas vraiment un jeu de plateforme, mais vous avez plein de trucs à ramasser. Hop là. C'est vraiment sympa. Hein. En plus, je dis à vous allez au rétro. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Par exemple, le bouton, quand on vous dit d'appuyer... Ah, un donut. Voilà. Le bouton où on vous dit d'appuyer sur, sur B, je crois, il s'affiche vraiment comme les trucs d'arcade, en fait. Et je pense que vous pouvez y jouer avec... si vous avez un pad arcade. Un pad arcade. Oui. Oui, oui, arcade. Enfin, un pad, vous voyez, avec le gros joystick, là, et les trois boutons. Je pense que vous pouvez y jouer, hein. Je pense que le jeu doit être peut-être compatible. Ça pourrait être vraiment sympa. Si vous voulez vous faire une petite soirée, c'est vraiment sympa. Vous pouvez jouer en coop aussi. Bon, j'ai qu'une manette et je suis tout seul. Sans amis. Bref. Vous pouvez jouer en coop avec plusieurs amis dans le combat. J'ai pas testé, mais ça peut être cool. Ça peut être vraiment fun. Oh là là. Alors moi j'ai fait le jeu, j'ai fait la première partie en marchant. Je ne savais pas qu'on pouvait courir en fait. Mais en fait... Courir bah c'est comme les jeux d'arcade. Ouais c'est comme les jeux d'arcade en fait. Pour courir faut emmener le joystick deux fois vers la direction en fait. Faut faire un double joystick. Et j'avais complètement oublié qu'il fallait faire ça dans les jeux d'arcade pour courir. Et c'était souvent le cas en tout cas, il me semble. Et ça je me dis, ah mais oui, pour courir peut-être, et ça a marché. Donc faut faire deux fois le pad... Non, par là, voilà. Mais non, mais reviens ici toi. Il est sérieux là. Bon. Ok. Il est sérieux là. Voilà. Il rapporte plein de trucs je crois, ah oui. Les doublages japonais sont vraiment cool en tout cas. Même les décors. Là pour l'instant on est dans la ville. Alors on peut détruire le camion. J'ai jamais réussi à le détruire, je sais pas ce qu'il donne. Parce que à chaque fois il passe sans que je puisse le détruire. Faudrait que j'arrive à le détruire un jour. Donc l'histoire pour info un peu compliquée pour rien et elle est très courte l'histoire. Hein. En gros, c'est un méchant qui s'est évadé, je sais pas trop d'où. Et on utilise les armes. Je sais plus, c'est des lettres là. Je me rappelle plus le nom des armes. Bref. Donc le jeu, je l'ai terminé en 2 heures. Comme j'ai dit, la première partie, je savais pas qu'on pouvait courir. Du coup, ça prenait 3 heures. Mais bon, le jeu, j'ai pris mon temps et j'ai terminé en 2 heures. Je pense qu'il est terminable en speedrun. En facile. 45 minutes, 30 minutes. En speedrun. J'ai pris 2 heures parce que j'ai pris mon temps. J'ai joué en plusieurs parties et tout ça. J'ai pas tout fait d'un coup. Du coup, voilà. Normalement, le jeu est sympa. Hein. Bon, par contre, vous incarnez quasiment que des petites filles. Hein, voilà, quoi. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Mais voilà. J'avais acheté sans... Bah, il était pas très cher, comme je vous ai dit. Et franchement, il est vraiment sympa. C'est pour ça que j'en fais une vidéo, hein. Bon là je sais plus il doit être à combien mais... Quand je l'ai acheté il était en promotion. Voilà. Bon alors là je fais... Là vous voyez que c'est très facile. Vous allez dire oh mais il est tout facile le jeu et tout ça. J'ai pas perdu presque pas de vie. Tout simplement parce que je suis niveau 40. Vous allez voir que... Entre les phases de gameplay. Vous allez voir des phases où il va falloir répartir des points de caractéristiques. Et là, comme je l'ai fait en easy, je l'ai fait en easy pour l'histoire, pour que vous voyez un petit peu les dialogues du début. Non, non. Voilà. Alors, on est parti. Voilà, on est bien là.
Ouais. Ah merde. Vous pouvez lancer des sortes de flèches là, une attaque à distance comme ça. Ah, comment on saute? Ah voilà, c'est comme ça qu'on saute. Ah par contre ils sont derrière. Eux je les aime pas parce que c'est super galère à les toucher. Bon encore ça va, ils ont pas beaucoup de vie parce que je suis haut niveau. Bon, vous voyez que c'est facile parce que je suis haut niveau. Hein. Mais si si je serais parti en hard, ce serait pas du tout pareil. M. Tu es en retard. Non. Tu es en retard. Bon, c'est une petite fille, je me dis. Mikoto, Scavenger. Où est Nagi? Si tu veux que je la si tu veux que je te réponde, il faudra que d'abord que tu me battes. Mikoto, tu feras mieux de ne. Bon, bref, on s'en fout. J'ai pas. Aujourd'hui, j'ai pas la voix à faire des voix aiguës. Vous voyez les petits boutons, c'est vraiment sympa. Et même le gauche, je trouve ça vraiment sympa. Pour ça, j'ai dit aux élèves rétro. Voilà, par là. Oh! Surtout que le jeu n'est pas gourmand si vous avez un petit PC. Je pense que n'importe quel GTX le fait tourner hein, facilement. Bon, après, si vous avez plus faible aussi, hein, ça peut marcher. Je sais pas, j'ai pas testé. Vous voyez, le boss est tout de suite plus dur. Hein. Ah putain, j'ai lancé mon spécial. Ah bah c'est bon. Aurais-je baissé ma garde? Je te l'avais bien dit. Bon, si tu ne veux pas t'en voir cette fille, je t'emmène. Si tu veux t'en voir cette fille, excusez-moi. Je suis fatigué aujourd'hui pour lire. Où est-ce que tu m'emmènes? Rends-moi Nagi. Mais avant, je vais m'emparer de tes pouvoirs. Oh, qu'est-ce que... Mes forces me quittent. Vas-tu mourir? Ma force est aspirée. Excusez-moi pour le cri, fallait que je le fasse. Stage clear. J'ai... Bon, la première fois, j'ai vraiment plus galéré, hein. Vous voyez que j'ai pris 12 minutes à le faire en vous parlant. Alors moi je prends 5 minutes à le faire si je vous parle pas je pense. Niveau 41, XP. Et voilà, vous avez vu les phases où il faut répartir les points de caractéristiques. Donc vous avez... Bon là pour l'instant j'ai rien à répartir parce que j'ai fait un niveau qui n'était pas de mon niveau en fait. Vous voyez que j'ai 8 points de caractéristiques. Et... Et voilà. Bon là j'ai rien à répartir mais vous voyez en gros mes points de skill que j'ai en haut, les skill points ce qu'ils appellent, je peux les répartir soit en augmentant mes sorts. Je peux augmenter, je peux avoir des nouveaux sorts comme ça. Ou améliorer mes sorts. En gros là pour améliorer ce sort là je dois utiliser 15, vous voyez en bas à gauche. En bas je dois utiliser 15, bon là je peux pas. Mais voilà. Ou alors... Je peux augmenter mes stats. Normalement. Voilà. Normalement, là, voilà. Je peux augmenter mes stats. Pour 14 points, bah, je peux augmenter 1 en attaque. Pour 14 points, je peux augmenter 1 en défense. Et pour 12 points, je peux augmenter 1 en speed. Bon, vous voyez que j'ai 8 points, j'ai pas assez. Du coup, on va rien augmenter. Et du coup, on est parti. Et voilà, on commençait directement là. Hein. Dans le hard. Mais je me demande si le hard c'est pas la suite de l'histoire. Parce que l'histoire c'était fini vraiment bizarrement je crois. Je me demande si le mode hard c'est pas la suite. Ça pourrait être la suite hein. Mais je me suis arrêté quand j'ai fini le mode normal en fait. Et après j'ai réinstallé l'ordinateur. J'ai réinstallé Windows et j'ai pas rejoué depuis. Non écoute, je dirais quelque chose de différent. Oh, peut-être serait-ce le monde parallèle dont m'avait parlé Kumon. Vous, voilà à nouveau infâme sbire de fantôme. Peu importe si je dois si je bats cela. Oh, c'est étrange, mes pouvoirs ne fonctionnent pas que
Ah! Je me rappelle. Scavenger a dit qu'elle les avait prises. Mais je ne perdrai pas. Pas ici! Allez, c'est parti. Ouais, je fais bien le doubleur. Non, pas du tout, mais bon. C'est parti. Parti. Pour les fans de VO, hein, pour les fanas de VO, vous serez servis. Hein. Il n'y a pas de VF dans le jeu. Hein. Il n'y a que de la voice. Alors, pour les fans inconditionnels de VO, vous serez servis. Je sais que moi, je suis pas super fan de la VO. Enfin, c'est pas que je suis pas super fan. Hein. La VO, c'est très bien. Mais, comme je le dis à chaque fois, je m'attache plus à un personnage qui parle ma langue qu'à un personnage qui parle pas ma langue. Même si le doublage est moisi. Mais ça n'empêche pas que j'aime beaucoup le VO. C'est du très bon travail le VO. C'est même mieux que la VF. Mais voilà. On est parti. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je vais vous faire vite fait cette partie. 20 minutes, je pense que c'est assez. Hein. Je vais pas vous faire perdre plus de temps. Donc, je pense que je vais vous laisser là. On aura fait la première partie. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura passé un bon moment, j'espère. Enfin, que vous aviez passé un bon moment. Go, on est parti. Du coup, c'était Radbox. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss! Et abonne-toi à la chaîne du Whoop. Non, 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 c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Faut arrêter de plagier. Je suis désolé. Et abonne-toi à la chaîne de Red. Non, 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 toujours pas ça, toujours pas ça. Bon, on va la faire simple. N'hésite pas à cliquer sur les deux vidéos. Si tu veux voir une autre vidéo sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et voilà, c'était Radbox. Et à la prochaine. Allez, tchuss.